Avant le démarrage des épreuves, on va vous faire la présentation des nageurs qui ont été sélectionnés cet été pour la Coupe de France de natation estivale pour la région. Donc, sur la sélection de la régionale, il y a eu 15 nageurs lotois. Donc, les nageurs lotois vont s'avancer. Merci aux nageurs d'avancer. Avancez. Lebec Marie-Françoise. Leberder Marine. Marion Mélodie. Montlion, pardon. Audrey Camille. Bergogneau Léa. Panta à Paris, Ninon. De Tawan, Nikita. La parole Lucas. Valentin Simoneau. Diane Louis. Vermand de Louis. Cassamayou Guillaume. Antonin Célébrant. Il manque Louise Guy qui n'est pas là aujourd'hui. Alors je vais dire deux petits mots. On va les appeler après. Deux petits mots, sachant qu'il y avait 12 clubs de Midi-Pyrénées qui étaient représentés cette année. C'est la première fois qu'il y avait autant de clubs différents. Moi, j'étais coach avec François Lemarchand qui est CTR à Toulouse. Ça s'est très bien passé. L'équipe était très homogène. Malgré après une disqualification aux 4x104 nages en minime, l'équipe a été très solidaire parce que les 28 nageurs qui étaient là et nageuses sont venus réconforter. Voilà. Les filles minimes ont terminé 3e. Les garçons, avant la disqualification, étaient premiers. Les 36 points nous ont fait beaucoup de mal parce que les points enrôlés sont doublés. On était 2e, on avait fait 36 points et ça nous a fait énormément de mal. Mais ils ont terminé 4e quand même, il faut les féliciter. Et classement final, filles, garçons, minimes, cadets, on termine 5e. À 3 points du 4e et à 7 points du 3e. Je peux vous dire qu'ils ont été très homogènes, très solidaires, très sages. Il n'y a jamais aucun problème avec l'équipe de Midi-Pyrénées. Par rapport à certaines régions. Donc il faut les féliciter encore, vous pouvez les applaudir bien fort. Alors, avant les diplômes, attends, on va faire un brève. Juste, dans le groupe aussi, il manque Sofia Estrada qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Vous faites votre chat après. Attends, on mélange. Un garçon et une fille, un garçon et une fille, allez. Un garçon et une fille. Alors on va faire un petit banc d'honneur. J'étais ancien rugbyman, donc on va le faire. Les nageurs ont eu l'habitude de le faire avec moi. Ils vont reprendre et vous essayez de reprendre, vous faites juste aïe 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 après les nageurs. Ah, chica, chica, chica. Juste pour finir, lors de la Coupe de France, il y a eu deux records de meilleures performances régionales. Le premier sur le 50 mètres nage libre par Louis Vermand de Saint-Céré.
qui a battu le record 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans et plus, en 25-15. Bravo Louis. Le deuxième. Le deuxième pour le 400 mètres nage libre, pareil, en 15 ans, 16 ans, 17 ans et 18 ans et plus, par Valentin Simonon depuis l'évêque, en 44 minutes, 48 secondes et 80 centièmes. On peut applaudir les deux nageurs et ses compatriotes. Merci. Notre honneur de la valeur, les apportés seraient une erreur.